aujourd'hui les amis, je pense qu'on va avoir le droit à une masterclass de Dom Studio, parce qu'on a un épisode de 3 minutes à regarder et un autre épisode de 11 minutes mon gars. C'est le plus long Skibidi Toilette de tous les temps. Bref, aujourd'hui on va voir plein de combats, plein de batailles, plein d'explosions. Bref, on est parti pour regarder tout ça, ne perdons pas plus de temps. C'est parti pour la masterclass. On est parti pour regarder le Skibidi Toilette Multiverse numéro 32. On met le petit pouce bleu et on est parti pour regarder tout ça. Alors je tiens à remarquer qu'il n'y a pas de sous-titres, donc à mon avis ça va être full bataille. Hé, pourquoi il nous pousse lui? What? Oh, ça c'est un titan qui est avec nous. What? Il lui dit hey, reprends-toi mon petit gars. Lui il comprend pas trop, il a un petit peu peur de tout ça. En même temps mon gars, il y a des explosions de partout. Oh, c'est tellement la guerre là. Ok, là ils partent en direction bah pour défoncer de Skibidi Toilette. Et surtout le but principal, c'est de sauver Drill Woman, bien évidemment, qui a été capturé par les Skibidi Toilette. Alors attends, wow, qu'est-ce qui se passe? Oh non non, pas lui. Voilà, mais lui un coup de pas la tranche. Voilà. Oh mon gars. Oh, le titan crayon man, le titan pen man, appelez-le comme vous voulez. Bah c'est un crayon quoi, vous avez compris. What? Oh, oh, il lui a réparé un truc. Nice. Mec, il lui a réparé un truc. Oh, l'hélico. Oh, oh, le titan mon gars, qui fait partie des crayon man, la team des crayon man. Il est tellement stylé. Eh, on s'est emporté par quoi là? Ouh. Oh là là, avec ses dents de lapin là. Faudrait passer chez le dentiste mon gars, te redresser les dents, parce que là ça va pas hein. What? Mec, il y a des gros combats de partout. Oh non, pas lui. Ouh. Oh non, pas lui. Ouah, c'est quoi ça? Alors ça, ça je déteste ça. C'est des skibidi toilettes avec des jambes mon gars. C'est insupportable. Oh, fuck you man. Il a ouvert la bouche. Il a fait un gros fuck mon gars. Je suis mort. Oh là là, mais mec, c'est vraiment la bataille là. Oh 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 oh. Non, il va nous tirer dessus. Voilà, planque-toi mon gars. C'est bien. Voilà, cache-toi. Oh là, c'est quoi ça? C'était quoi ces tentacules? Oh, un perceuse man. Oh, oh, il était derrière nous, heureusement. J'ai cru qu'il visait nous. Oh, voilà. Allez, fais dodo maintenant. Hasta la vista mon gars. Oh, les batailles de zinzin. Hey, on est d'accord, la perceuse man, elle est trop stylée. C'est quoi ça, mon gars? C'était un tank Skibidi. What? Ah, il est trop stylé avec son bras comme ça, avec plein de pics. C'est trop stylé. Oh là là. Et là, par contre... Oh! C'est quoi ce gros crayon? Attention! Mais c'est quoi ce tank de malheur, là? Ah, on va se faire écraser. Oh! Oh, what? Oh, le titan caméraman, let's go! Oh, 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 il y a le titan aussi, Tibiman, let's go! Eh, mais mec, il est trop stylé! Il manque plus que le titan Speakerman. Mais le titan Speakerman, il est en réparation, je crois. Il est pas encore là. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Oh, il y a plein de Skibidi Toilettes en hélico. Faudra un petit troisième titan. Oh! Eh ben voilà! Eh ben mec, oh lo 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 lo! Il est tellement stylé avec son épée. Oh, les trois rassemblés! Oh, ils veulent se serrer la main. Et il y a le titan derrière qui regarde en mode what the fuck man. Voilà, avec les points. Voilà. Oh là 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 là, ils sont tellement stylés. Allez, c'est parti, let's go. Mec, trop stylé. Et tous les titans rassemblés comme ça là. Bon, il manque le titan Speakerman. Mais c'est beaucoup trop stylé. Non, c'est abusé. Et par contre, c'est la guerre hein. Waouh, regardez comment c'est la guerre. C'est abusé. Et là, il y a plein de vaisseaux crayons et tout. Oh là 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 là. Ce qu'on peut retenir de cet épisode, les amis, c'est cette image totalement incroyable des trois titans se faisant un check de la muerto. C'est parti pour défoncer du Skibidi Toilette, mon gars. Et on enchaîne avec le Skibidi Toilette numéro 33 qui fait plus de 11 minutes. C'est abusé, mon gars. Eh bien, écoutez, on met le petit pouce bleu et on est parti pour regarder tout ça. Oh, voilà, retourne dans ta toilette, c'est bien. Oh là 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 là. Oh, un horloge man. Oh! Si vous avez ce qu'il a à la ceinture, c'est stylé. Allez, hasta la vista, les multiples Skibidi Toilettes là. Allez, salut! Oh, stylé! Bien stylé, hein. Oh! Waouh! Voilà! Ouh! Les mecs, ils se font des passes! Il lui a fait une passe d'un Skibidi Toilette. Waouh, ils sont trop stylés, les trois titans, hein. C'est abusé! Ok, qu'est-ce qui va se passer là? Ils sont en train de parler? Et toujours les pouces bleus, hein, bien évidemment. Oh! C'est quoi? Oh!
C'est quoi, c'est le skibidi toilette nécromancien. Oh, il te dit, toi, tu peux faire remonter le temps, c'est ça? 3, 2, 1. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit non? Attends, je comprends pas ce qu'il dit là. Je vais le faire moi-même. Ok. Oh, oh, un skibidi toilette boxeur, mon gars. Tu veux jouer au poing? Pas de soucis. Voilà! Hasta la vista! Le Michael Jackson là. Bon, par contre, il tire de la fumée. Enfin, il tire du feu. Attends, mais ils sont en train de se faire défoncer là. Voilà, montre-lui que toi aussi tu sais boxer, mon gars. Voilà! Allez, hasta la vista! Le crâne chauve là! Allez, tu dégages, Zidane. Voilà! Toi, eh hey, mec, il a retourné sa lave contre lui. Stylé! Oh non, pas le nécromancien. Le nécromancien, il est tellement puissant. Il est puissant quand il a sa tête. Mais quand il se fait couper la tête, mon gars. Voilà, arrache-lui son bras. Patate de fond. Mais il lui a tiré dessus. Attends, mais il est puissant, le nécromancien. Genre, ils arrivent pas à en venir du nécromancien à deux, là. C'est abusé. Bravo. Mais mec, il se fout d'eux, je suis mort. Ah. Ah ouais, donc là, par contre, il peut le faire. Ok, let's go. Ou alors, est-ce qu'il a pas dit tout à l'heure quand il fait 3-2-1, c'est que il peut remonter le temps que de 3 secondes? Je sais pas. Oh là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Ah ouais, sauf qu'il doit le voir pour remonter le temps. Enfin, pour le... Ah. Oh. C'est quoi? Oh. Oh, c'est quoi ça, mon gars? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, mais c'est un mélange... Attends, c'était quoi? C'était le... l'astro-toilette? Qui était cramé? Voilà, voilà, c'est quoi tout ça? Qu'est-ce que c'est quoi ça? What? Mais oui, c'est l'astro-toilette! Mais mec, c'est abusé! Voilà, mais il est. Mais il sort d'où lui? Il sort d'où l'astro-toilette? Oh lolo! L'astro-toilette qui a été un peu modifiée hein, quand même. Hein. Ouh! Attends, me dis pas que ça va... Me dis pas que tout ça, ça va être jeté contre les titans, là. Attends, c'est quoi tout ça, là? Ils avaient prévu ça depuis le début? Oh, oh! Vous êtes dans le caca, les gars! Va falloir mettre une protection de la mort ou faire un truc, ou je sais pas, enterrez-vous sous terre. Oh! Wesh! Qu'est-ce qu'il fait? Il remet le temps avant, c'est ça? Attends, what? Il a arrêté le temps? Pour tout le monde? Attends, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Attends, je suis curieux. Ok, il a vraiment remonté le temps. Je me demande. Il est quoi? Il est littéralement comme moi. Il est comme ça en mode. Hey, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Oh. What? Ah, il met cette zone pour que cette zone-là, ça ne bouge pas, c'est ça? Ah ouais, il a bloqué le temps que dans cette zone! Oh là là, il est trop intelligent! Hé hé! Eh, lui, il a le seum, hein! Toi, t'as bien le seum, mon gars! Attends, what? C'est qui, ça? Oh, c'est quoi, ça? Oh non, mais c'est pas possible! Mais bordel, mais personne ne t'aime, toi! Mais c'est pas possible! Mais comment ça se fait qu'il est encore là, lui? Mais mec, c'est pas possible! Je crois qu'il y avait le petit skibidi toilette scientifique qui a reconstruit un autre corps, mais mec, c'est pas possible! Arrête de rigoler, mais... Il est énervant, en plus, il y a un vieillissement, là. Oh là là, mais mec, c'est pas possible. You'll test my sword, tu vas tester mon épée, c'est ça? Mec, c'est abusé, il est insupportable, hein. 10 heures ago. Ok, donc c'est 10 heures avant. Ok. Donc là, ils sont dans l'antre des skibidi toilettes. Ok. Donc ça, lui, c'est le vrai. C'est le tout petit, c'est le vrai, en fait. Comme il est trop nul, il a besoin de construire un vrai corps. Regardez, il est en train de construire des skibidi toilettes avec des pieds. Oh. Oh! Mec, c'est stylé! Oh, c'est méga stylé! Enfin, c'est stylé, c'est contre nous, donc...
C'est moyennement stylé du coup. Abusé. Oh. Mec, j'adore comment il a ouvert la porte. Il a fait un 360 inutile. Cassé à faire. Ses yeux rouges là. Il est détestable le Skibito et scientifique. Oh! C'est qui lui? Regardez qui est de retour. C'est bon de te revoir en vie? C'est quoi? Ouais, la plupart d'entre eux ne sont pas prêts. Attends, c'est vrai, c'est lui le vrai scientifique, mais certains d'entre eux sont sur le point... Sont sur le point de quoi? Attends, je remonte derrière. Sont sur le point de se réveiller. Je pourrais te montrer. Le reste d'entre eux se réveilleront probablement dans, tu sais, au moins 10 heures. Ah, c'est pour ça qu'il disait 10 heures avant. Ne me regarde pas comme ça, j'ai fait de mon mieux, ok? Maintenant, allez, rencontrons-les. Le commandant veut nous voir tous. Est-ce que lui, c'est pas le Skibidi-Touette original? Et après, lui, il a construit le Skibidi-Touette scientifique qui a construit les autres Skibidi-Touettes? Peut-être que c'est ça? Oh! Le mec, même lui, il a eu peur. Monsieur Leonardo! Appelez-moi Léo. Je voulais t'appeler ainsi. Mec, il est stylé! Skibidi, Skibidi. Oui, bien sûr! Ça fait trop bizarre de voir un vrai être humain en fait. Utilise toujours la lance qui vit les toilettes. Monsieur, avec le respect, je n'ai aucune idée de ce que vous me parlez. Skibidi. Ah bah oui, lui il comprend pas. Il est en mode, mais bro, tu parles Skibidi toilettes, je ne comprends point. Très bien, ça devrait le faire, c'est parti. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va montrer son projet. What? Oh là là. Le 06. What? Oh là là. Alors c'est stylé hein, mais ça fait peur. Je pensais que cela n'arrivera jamais. N'arriverait jamais. Finalement, Billy est réveillé. Ok, lui c'est Billy mon gars. Et Billy, je crois que c'est une grosse brute. Certains sont chers, tu sais. Combien de temps? Ok. Combien de temps cela fait-il? Mais mec, les titans caméraman, tout ça, ils sont dans le caca. En fait, assez longtemps, la guerre ne se passe bien et nous sommes presque condamnés. Ouais, je sais. Je vais partager les détails sur le chemin que le commandant attend, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'il a créé d'autres titans Mais mec, regardez-moi cette armée. Quand s'est-il réveillé? Depuis le début. T'es le premier volontaire pour l'évolution, vous vous souvenez? Attends, il parle de qui là? Donc ça c'est les Skibidi toilettes, comment on peut les appeler? Impériales? Donc ce titan de l'horloge domine toute la guerre. Quel est le plan pour le tuer? Tuer? Non, on ne peut pas. Ah, il veut le garder en vie. Alors, quel est le but de ton existence? Eh, hey, mais cale-toi, gars, il est complètement fou, lui. On dirait qu'au moins ce type chauve essayait quelque chose sur le champ de bataille. Qu'est-ce que tu faisais tout ce temps? Je préparais le scénario final. Il gagne la bataille, nous gagnons la guerre. Si vous me le permettez? Prenez note. Il est important d'élaborer un plan capable d'atteindre le succès. Le plan n'est pas de tuer le titan Clockman, mais il est de l'enfermer. Ah oui, il veut faire des expériences dessus. Nous occuperons le dieu du temps jusqu'à ce que l'apocalypse de G-Man prête à se lancer. Au moins plus de 15 heures. Et puis peu importe le nombre de titans qu'ils ont, la guerre est finie. Avoue, ils sont trop... Non mais regardez-lui, il est trop stylé mon gars. Ces horloges n'ont aucun sens. Elles sont tellement cassées. Oh vraiment? À quel point êtes-vous intelligent? Je veux dire, quel type d'IA peut éventuellement arrêter le temps? Eh bien, en premier lieu, je ne pensais pas que l'humanité pourrait atteindre un tel pouvoir pour qu'ensuite, ils puissent donner ce pouvoir à une IA. Ils n'ont pas été fabriqués par nous. Pas seulement des horloges, mais aussi des perceuses. Mais lui, il est complètement fou, lui, hein. Faut l'enfermer, hein. Et détendez-vous, les gars. Nous savons que vous êtes doués avec ses mains. Gardez-les pour l'ennemi. Donc là, ils sont en train de faire un plan pour défoncer le titan Clockman, enfin pour l'enfermer. On était dans le pays le plus avancé et pourtant, même nous rêvions pas d'avoir un tel pouvoir. Tu as le droit de le dire, mais pourquoi des enceintes?
Pourquoi pas? Quoi qu'il en soit, précisons votre rôle. Pour la bataille finale. Ok, donc là il va faire un plan avec les 4 nouveaux titans. Titans Skibidi Toilette, c'est des titans. Bah, ils sont pas très grands, mais ils ont l'air très puissants. What? C'est un colonel, lui. Oh, le commandeur, le 07. Wouah! Le commandant. Mec! Alors, c'est quand même stylé, hein, je dois l'avouer. Mais mon gars, regarde avec qui on va devoir se battre. C'est limite perdu d'avance, là. L'équipe des caméramans vont se faire défoncer par les Skibidi Toilettes. Bref, ces 2 épisodes de Dumb Studio étaient vraiment masterclass. C'est une dinguerie. À chaque épisode, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau personnage. Et là, cette fois-ci, il y a non pas un, non pas deux, non pas trois, non pas quatre, mais 5 nouveaux personnages, des sortes de titans commando Skibidi Toilettes qui sont super forts, mon gars. Donc, à mon avis, le titan Clockman et les autres titans, et les Persozman et tout le bordel vont devoir se préparer parce que là, dans les prochains épisodes, va y avoir une grosse bataille, mon gars. Bref, si tu t'ennuies, va voir une autre de mes vidéos totalement masterclass. Nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo, les amis. C'était Wissam, gros bisous à la prochaine. Ciao, ciao.